Pour la suite de notre aventure en Alsace, nous nous retrouvons pour un cinquième épisode. Cette maison, prénommée la maison du gardien, aurait servi pour les documents administratifs de l'hôpital. Ce 29 juillet 2018, nous essaierons par le biais de nos micros et appareils de rentrer en contact avec les invisibles de ce lieu. Tout ce que vous allez entendre et voir est ce que nous avons perçu durant notre enquête. Voilà, donc enquête dans la maison des gardiens. Dans la maison des gardiens. Hop, allez, c'est parti. On va aller dans la première pièce. Je crois que je me casse la gueule. Celle-ci, c'est celle-ci. Si je me trompe. De toute façon, ça joue, donc c'est bon. Alors bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc je me présente. Je m'appelle Clémence. Et moi je m'appelle Isabelle. Voilà. Je souhaiterais savoir si ou plusieurs personnes souhaiteraient communiquer avec nous. Donc vous avez plusieurs possibilités pour communiquer. Vous avez ma caméra que j'ai sur l'épaule. Vous avez un K2. Vous avez un K2. Il y a aussi une petite caméra qui est au bout du couloir dans une chambre, dans une pièce. J'ai l'impression d'entendre marcher là. Non, c'est évident. Vous avez aussi une petite caméra dans le fond, dans le couloir, dans une des chambres, dans une des pièces. C'était peut-être votre chambre. Voilà, qui est allumé, c'est pareil, si vous souhaitez passer devant, vous pouvez, si vous souhaitez parler, vous pouvez. Voilà, si vous avez des messages à faire passer, il n'y a pas de souci. On a un petit micro sur la caméra afin de vous entendre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi, taper contre le mur afin de nous faire comprendre que vous êtes avec nous. Ou alors faire bouger une porte. Allez-y, n'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous chasser, on est chez vous. On n'est pas là pour vous chasser. Hein. Non, non, loin de là. On est là pour essayer de communiquer avec vous, de parler avec vous. Enfin, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer après.
Alors, est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que vous pouvez essayer de fermer la porte, s'il vous plaît? Hier, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un avec nous. Je me suis sentie très mal. Et je souhaitais savoir si la personne, ou les personnes qui fait que je me suis sentie mal, sont présentes. Et est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? Allez-y, approchez-vous, n'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez taper contre le mur, s'il vous plaît? Rebonsoir. Alors peut-être est-ce que vous êtes dans cette pièce, on ne sait pas. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît, au travers de nos caméras, au travers de nos micros? Oui, c'est mon ventre. Avez-vous un message à faire passer? Ou alors peut-être que notre présence vous dérange. Et si c'est le cas, nous en sommes désolés. Vous donne l'opportunité de vous exprimer. Alors n'hésitez pas à le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a des appareils. Vous pouvez aussi taper contre les murs si vous avez assez d'énergie. Vous pouvez vous approcher des boîtiers noirs.
Est-ce que vous avez peur de nous? Je vous ai posé le petit boîtier noir par terre, juste là. Là, je l'ai vu. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous en approcher afin que les lumières passe du vert jusqu'au rouge. Vous avez juste à vous approcher, ça ne vous fera pas de mal. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas assez d'énergie, vous pouvez puiser dans les batteries de nos caméras. Il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, je vous donne l'autorisation de puiser dans nos énergies à nous. Ça, c'est hors de question. De toute façon, il est tôt encore. Oui. Est-ce que vous pouvez taper contre un mur, s'il vous plaît? Ou contre une porte? Si vous êtes en colère, vous pouvez même la faire claquer. Vous avez le droit d'être en colère, on est chez vous, hein. On vous importune. En fait, ouais, c'est là. Oui, c'est là. Donc, vous laissez. Oui, oui, oui. Hop. Oui, c'est l'heure de Spirit Box. J'ai entendu une femme crier.
pouvez recommencer, s'il vous plaît? J'ai mal au crâne, mais ça c'est normal. Ah! Ça a parlé. Ça, j'entends pas ça. Ah merde, c'est bon. Bonsoir. Prénom, c'est Clémence. Moi, c'est Isabelle. Voilà. Bah, Isa. Ou Isa. Mais moi, c'est Clem aussi. Si vous souhaitez, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Alors, y a-t-il quelqu'un avec nous dans le couloir, s'il vous plaît? Pareil au milieu, ça vous détectez. Ça vous fera pas de mal. Vous pouvez vous en approcher. Voilà, je vais vous montrer si vous en approchez. On fera ce bruit. Voilà. Donc si vous en approchez, ça fera ce bruit. Alors, y a-t-il quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît?
c'est que moi j'ai le projet de dire que je peux pas l'éclairer en fait. Oui. Non, je ne reste pas clair comme ça. Ouais. S'il veut se rapprocher, ben, ça nous empêche après. Voilà. Mais attends, moi je pose un petit boîtier, c'est un cadeau. Je pense que vous savez comment ça marche. Je l'expliquais tout à l'heure en bas, mais maintenant je vous explique. Plus vous allez vous en rapprocher, et plus ça va faire des lumières jusqu'au rouge, orange et rouge. N'hésitez pas, c'est inoffensif, ça ne fera pas de mal. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal, hein, au contraire. On est là pour communiquer avec vous, pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on quitte cette vie terrestre. C'est, voilà, si vous pouvez nous donner des petits indices, ça serait sympa. N'hésitez pas surtout. On est gentil, on n'est pas là pour vous ennuyer. Par contre, si nous, on vous ennuie, il faut nous le faire savoir. Voilà. Soit en activant le K2. Voilà. Soit en activant le pod qui est juste là, en fait, côté de moi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher d'un des deux appareils afin qu'on puisse vous détecter? Détectez votre présence, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez faire clignoter, s'il vous plaît? Vous êtes une femme? Ou un enfant? N'ayez pas peur. Alors, est-ce que vous pouvez faire claquer la porte qui est juste devant moi, en fait, s'il vous plaît? Vas-y, n'ayez pas peur, faites un bruit, tapez contre les murs, tapez contre une porte, claquez une porte. Vous avez des appareils à disposition, vous pouvez les faire. Vous pouvez faire les sonner. C'est sympa, en plus ça fait de la musique. Voilà. Et ça vous fait pas de mal. Oh. Quoi? Ça s'est éteint. La caméra. Ah oui, c'est normal. Là, je vais changer la batterie. D'accord. Donc, faites un bruit, s'il vous plaît.
Alors si vous vous cachez, il faut pas, hein, surtout pas. Non, vous craignez rien du tout. Voilà, on est gentil. On est venu en tant qu'amis. On ne cherche pas à vous chasser de chez vous. On ne veut pas vous faire fuir, on ne veut pas vous faire peur. C'est pas notre but. On est juste là pour essayer de rentrer en communication avec vous. Donc si vous le souhaitez, si vous pouvez, nous montrer votre présence au travers des appareils qui sont par terre. Vous avez le K2 avec la petite lumière verte. Vous approchez, les lumières iront du vert jusqu'au rouge. Et vous avez un pod, ça s'appelle un pod, avec la petite lumière bleue. Si vous vous approchez de cet appareil, il émettra un son avec des petites lumières. Et on pourra vous entendre. Allez-y, n'ayez pas peur. Approchez-vous de ces appareils-là. Nous sommes actuellement 4 au premier étage. Nous n'avons aucun résultat actuellement. Pas un PVE, enfin un PVE, on verra au dérochage. Pas de réaction K2, pas de réaction pod, pas de réaction au niveau de la peluche. Nous n'avons aucune réaction, rien du tout. Donc on a décidé de réunir nous 4, donc au premier étage, savoir si éventuellement, par rapport à nos énergies que nous avons tous, nous pouvons justement communiquer avec des entités, savoir s'ils puissent sur nos énergies, voir si ça peut fonctionner. C'est pour ça que nous sommes 4 aujourd'hui, enfin à minuit 10, au premier étage. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, de venir vers nous. Voilà, nous sommes tous les 4 ici, nous vous attendons. Rejoignez-nous et essayez de communiquer avec nous par le biais des appareils que nous avons disposés dans les différents endroits de ce couloir, à savoir donc un pod ici, à mon pied. Il suffit de vous en approcher, vous touchez la petite antenne et on captera votre présence à travers votre énergie. Nous avons un K2 ici, cet petit appareil qui est posé le long du mur avec la petite lumière verte. Il suffit de vous en approcher, c'est pareil. Avec votre énergie, nous pourrons voir votre présence. On sait que ça vous demande beaucoup d'énergie, justement. C'est pourquoi nous sommes 4 ici. Vous pouvez puiser dans notre énergie de façon à faire réagir ces appareils. Je vous ai posé une peluche dans les escaliers. Cette peluche, il suffit simplement de la toucher et elle chantera. Et on pourra capter votre présence. À travers tous ces moyens qu'on nous avons mis à disposition, on aimerait maintenant que vous fassiez, vous, de votre côté, cet effort de communiquer avec nous et de nous montrer qu'effectivement nous ne sommes pas seuls ici ce soir dans cette maison. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela pour nous? Merci. Est-ce que quelqu'un est présent ici, avec nous, à présent, à cet étage?
De quoi? C'était celui-là? Ah. D'accord. J'ai cru voir une ombre sur mon truc, mais je sais pas si c'est toi ou pas. Quand j'étais là. Parce que, ouais, c'était bizarre. Ça faisait comme une ombre sur le mur qui a bougé. Avec ma lampe torche, ça... regarde, regarde. Mais... Avec ma lampe torche. Non, moi j'ai rien là. C'est pour ça que je te dis ça. Essaye de te déplacer avec ta lampe torche. Ah ouais, si, c'est bon, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je préférais te le dire et que tu recommences. C'est souvent le. Parce que c'est au moment en fait tout a bougé, c'est pour ça que j'étais pas sûre. Ça m'aurait étonné. Ça aurait pu. Mais c'est pour ça que vaut mieux qu'il refasse les mêmes gestes qu'il a fait, comme ça, je suis sûre. Ouais, tu sais quoi? Ouais, bon. Il y a des trucs là-haut à récupérer. Ouais. Tu vas la récupérer, il y a la caméra. Non. Ma cache voilou. Quoi, tu vas pas? Non, mais j'y vais aussi. Là, de toute façon, hop. On va allumer. Putain, il se serait mis en route le truc. Ah, oh, il s'est jamais mis en route. Alors là, je peux dire pas les frissons. Après 2 heures d'investigation, nous décidons de mettre fin à cette enquête. Malgré tous nos efforts pour essayer de rentrer en communication, nous avons eu peu de résultats. C'est ainsi que s'achève notre aventure en Alsace, avec ces questions qui restent sans réponse. Thank you.